Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo détection. J'avais fait ce petit trou là. J'ai trouvé une grenade. Pleine bien sûr. Et avant, dans le même trou, j'ai trouvé ça. Je vous reprends quand je l'ai sorti. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Un truc pour la grenade parce qu'il était dans le même trou, donc voilà. Et la grenade est bien pleine, et il y en a à chaque sortie que je fais. Il y en a, c'est ça l'inconvénient. Donc voilà. Bon, allez, on se trouve pour une prochaine trouvaille. Allez, salut. Donc voilà, encore avec la goupille, le déto. Pour le déto, vous pouvez toucher, ça c'est encore plus ça a plus de risque d'exploser. Donc voilà, bon, on va aller, on se retrouve à la prochaine trouille. Bon, allez, là dans ce petit trou, ailette de mortier du français, du 81 mm français. Et la dernière vidéo que j'ai tournée, j'en ai trouvé une, sauf qu'il manquait deux ailettes. Et là, elle a l'air de propre. Je pense qu'elle va bien ressortir au nettoyage. Bon, allez, salut. Donc, elle est une petite balle là. Bon, en fait, elle était en surface, j'ai creusé, mais elle était en surface. Alors, voilà. Une balle de garand à pointe noire. Voilà. Allez, on se retrouve au prochain trouvaille. Donc voilà, les trois balles étaient là. Il y en avait trois. Sûrement un américain qui était posté là et puis qui a perdu ses balles. Bon, allez, on se reprend la prochaine trouvaille. Donc voilà, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Un bouchon. Un bouchon. Sûrement. Et de quoi? Peut-être de jerrycan. Bon allez, je trempe pour la. Sûrement pour l'année prochaine trouvaille. Donc voilà, ce matin, j'étais là-bas. Là je suis revenu cet après-midi. Donc dans ce trou-là, en premier, petit ceinturon US. T'as quoi là? Il doit encore en rester dans le trou. Et là, je refais un petit coup de pelle là. Nescafé. Je n'ai pas encore sorti. Nescafé. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai déplié, il est en boule. Il est super propre. Il est en boule et je l'ai déplié. Il est superbement propre. Et c'est bien marqué Nescafé, café là. Nesco, Nes. Voilà quoi. Donc voilà, il est superbement bien resté. Allez. Il y a encore, ça sonne encore là. Et là, il y a le petit. Donc voilà, je vous reprends quand je vais avoir creusé ce trou là et quand je vais avoir fini de creuser ce trou là. Allez, salut. Donc voilà, j'ai fini le trou. Alors, un premier sachet de Nescafé. Où il y a marqué US, là, qu'on voit bien. US encore, là. Et l'autre, qui est vraiment très bien revenu. Enfin, en fait, il était plié, du coup, je l'ai déplié. Il est propre, vraiment propre. Après, le petit ceinturon, là. Encore avec... pas le cuir mais la toile. Voilà, c'est vraiment bien resté. Donc voilà, bon petit trou là. Je crois qu'il en reste un, ça sonne encore. Donc je vous reprends quand tout est sorti. Allez, donc troisième sachet de Nescafé.
Tac, bah je vous reprends quand je l'ai déplié et je l'ai bien nettoyé. Allez. Donc voilà, petit sachet Nescafé. Je nettoierai, bah je vous ferai des photos à la fin de la vidéo. Donc voilà. Allez, on se reprend la prochaine trouvaille. Allez, salut. Donc bah voilà, je viens d'en refaire un. Et j'ai remarqué que c'est pas les mêmes marques. C'est pas les mêmes. Là je crois que c'est les deux mêmes. Je crois. Ah non, je crois qu'ils sont tous différents. Donc voilà. Je crois que ça c'est du Nescafé. Ça aussi, les autres je sais pas. Donc voilà. Bon bah je vais faire des recherches sur internet. Je sais que c'est US. Bon bah on se reprend à la prochaine trouvaille. Allez. Cinquième sachet de Nescafé. La vache, il y en a là. Et puis c'est sur 1 mètre carré. Bah, j'ai recosé là. C'est sur 1 mètre carré. Et là c'est le cinquième. Donc voilà. Je vous reprends à la prochaine trouvaille. Bon bah sixième sachet de Nescafé. Voilà. Et là ils ont mis en boulette. Du coup bah, quand j'ai des plis ils sont en bon état. Bon je vous reprends quand celui-là va être déplié. Donc voilà, sixième. Tac. Donc je vais mettre ça là-bas. Dans le sac. Voilà, tous les sachets. Je ne les mets pas pour l'instant. Celui-là est vraiment bien resté par contre. Donc, une fois après nettoyage, je pense qu'ils vont bien ressortir. Donc voilà, c'était là. Il y avait un ceinturon plein de Nescafé autour, mais je pense qu'il y en a encore plein. Donc voilà, allez, on se reprend dès que. Bah, la prochaine trouvaille. Bon bah, septième truc de Nescafé. Voilà. Il a dû avoir un camp par là. Un camp, puis un américain qui a perdu son ceinturon. Bon, bah, septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ils étaient tous à part. Donc voilà. Allez, on se prend la prochaine trouvaille. Sûrement du Nescafé. Donc voilà, ça doit être de l'autre bout. Sûrement un bout de ça. Un bout de. Du Nescafé. Crac. Allez, on se reprend la prochaine trouvaille.